unegan brysen hedimasen République juste, il faut se taire. Il faut commencer par se taire. Alors, j'ai le plaisir de plaisanter, mon collègue, le professeur Yves Couture, qui est professeur de la pensée politique au département de sciences politiques de l'UQAM depuis 2005. Il est aussi membre de la chaire UNESCO. Et il a dirigé en 2010 la publication d'un ouvrage collectif avec beaucoup de contributions très talentueuses sur les usages des anciens dans la pensée politique contemporaine. Je le cite parce qu'il est en lien avec les problématiques du colloque. C'est un beau gros ouvrage, au pull d'ailleurs, édité aux presses de l'Université Laval dans la collection Mercure du Nord, que je dirige également. Alors, Yves Couture a publié également des articles et chapitres nombreux sur, toujours, je ne cite que ceux qui sont reliés au thème du colloque, Tocqueville et les anciens en 2002, L'un et le multiple, les perspectives de Platon et Nietzsche, et en préparation, un texte sur Deleuze et la démocratie. Voilà, merci Yves. À toi, tu vas parler sur Hegel, Tocqueville et les anciens. Merci Josiane, merci aux organisateurs, merci surtout à Jean-Marc pour l'invitation, merci à tout le monde d'être ici par ce petit matin blême où il n'y a peut-être rien d'autre à faire que de venir écouter un texte sur Hegel, Tocqueville et les anciens. Petite remarque, le titre annoncé était « Les Grecs », mais je me suis aperçu ensuite que je parlais aussi des Romains, alors j'ai changé pour « Les Anciens ». Mon texte n'est pas complètement achevé, il n'est pas encore cette belle totalité, terme par lequel Hegel décrivait souvent la cité grecque. Pour la fin, je vais résumer, il est entièrement pensé, mais pas entièrement rédigé, alors pour la fin, je vais résumer, et sinon, je vais lire le texte ici sur écran. Un des traits majeurs de la pensée politique moderne reste sa reprise de concepts grecs pour penser des sociétés et des régimes très différents. Aucun terme ne l'illustre mieux que celui de démocratie. L'usage du même mot pour désigner à la fois une forme politique des cités antiques et des États contemporains peuplés de millions d'habitants ouvre déjà bien des interrogations. Qu'est-ce qui peut bien rapprocher des communautés dotées d'une forte unité morale, où la politique était animée et souvent gérée directement par quelques milliers de citoyens, de sociétés où on confie la chose publique à des milliers de représentants locaux et nationaux, censés diriger des centaines de milliers, voire des millions de fonctionnaires. Laquelle de ces deux formes politiques réalise d'ailleurs les idéaux d'égalité et de liberté associés à la démocratie? À cette seconde question, on a pu donner deux réponses contraires. La première soutient que les pratiques les plus démocratiques étaient malgré tout celles de l'Antiquité. La seconde, que les sociétés modernes, au contraire, s'approchent plus de l'idéal démocratique que ne le faisaient les petites enclaves esclavagistes qu'étaient les cités grecques. Les deux penseurs qui ont défendu le plus fortement ces thèses opposées, avec des nuances comme nous le verrons, sont sans doute Hegel et Tocqueville, dont les analyses, sans cesse reprises et retravaillées, demeurent influentes jusqu'à aujourd'hui. D'où l'intérêt d'esquisser ici une confrontation de leurs thèses respectives. Étrangement, les comparaisons entre leurs œuvres demeurent assez rares. Les différences sautent aux yeux entre le métaphysicien allemand qui vise à produire le système de la totalité vivante dans une langue technique et ardue, et le penseur et acteur politique français qui voulait donner à ses contemporains, dans un style direct et élégant, des outils pour guider leur action dans un monde en transformation.
Au-delà du style et au-delà même de leur vue sur la démocratie, leur plus profonde distinction tient à une compréhension très différente de la puissance de la raison et du statut de l'universel. Hegel combat la thèse des limites de la raison telle que Kant venait de la formuler d'une manière qui sera si influente. La pensée, répète-t-il, doit viser la totalité et l'absolu, sans quoi elle ne donne naissance qu'à la défense de vues ou d'intérêts particuliers, ou encore à des idéaux abstraits et impuissants. La totalité est la somme de tous les points de vue, elle est surtout l'unité vivante de l'idée et de l'effectif, par-delà ce qui semble les opposer du point de vue de l'esprit fini. Dans cet horizon, Hegel voit l'histoire comme le devenir de l'esprit et l'État moderne comme l'institution médiatrice qui rend la liberté substantielle et réelle, et dès lors comme une objectivation de l'absolu. Pour Tocqueville, la métaphysique est l'expression du noble désir d'arriver à une vérité dernière, désir dont il ne croit toutefois pas que l'homme puisse jamais le satisfaire. La lecture de Descartes, confie-t-il dans sa correspondance, ne lui a laissé qu'un doute immense et douloureux sur le sens ultime du monde et sur la destinée humaine. L'inquiétude sans repos de Pascal est peut-être ce qui éclaire le mieux sa position sur la grandeur et les limites de la raison humaine, et ce, d'autant plus que Tocqueville avait perdu la foi religieuse de son enfance. Il est ensuite resté un inquiet sans certitude qui s'est détourné des questions spéculatives pour tâcher de comprendre la valeur, les limites et les risques de chaque forme politique et sociale. Tâche où entrait une part d'ambition personnelle, mais que soutenait aussi le souci d'aider les êtres imparfaits que nous sommes à donner la pleine mesure d'eux-mêmes. Sa pensée politique conserve la marque d'un perspectivisme qui ne se résout pas dans l'idéal d'une synthèse qui ferait de l'État ou de la démocratie moderne l'expression d'un absolu. Hegel aurait sans doute conclu que Tocqueville demeurait, à sa manière, une conscience malheureuse. À l'inverse, Tocqueville a parfois exprimé son étonnement de voir tant de penseurs allemands projeter sur la politique des généralisations qui lui semblaient trahir un domaine marqué par l'incertitude et la contingence. On pourrait continuer longtemps à contraster ainsi leurs différences. Nous tâcherons, bien sûr, de les préciser sur le thème de la nature et de la signification historique de la démocratie. Soulignons néanmoins d'emblée que ces différences n'empêchent pas qu'il y ait aussi de multiples proximités dans leur compréhension du monde moderne. Tous deux étaient de grands lecteurs de Montesquieu et de Rousseau, soucieux de penser l'ancrage des idées dans les mœurs, soucieux de réalisme dans leur compréhension de la politique, partisans de l'État libéral moderne, mais avec une volonté d'y maintenir les tensions, voire les conflits, qui en assurent la vitalité et la modération. Hegel et Tocqueville, et cela nous importe ici tout particulièrement, ont par ailleurs cherché à éclairer la politique moderne en la contrastant avec l'ensemble du passé et notamment avec les anciens. Comme Constant et bien d'autres, ils appartiennent aux générations de penseurs qui, suite à la Révolution française, en sont venus à juger sévèrement la tentation de projeter sans nuance des modèles antiques sur la société moderne. Ils ont toutefois tiré des conclusions différentes de cette insistance sur la spécificité de chaque époque. Pour démêler avec toute l'amplitude et la précision nécessaires ce qui rapproche et ce qui éloigne des penseurs aussi complexes que Hegel et Tocqueville, il faudrait un livre entier. Nous n'ambitionnons ici que d'ouvrir quelques pistes en considérant d'abord les deux auteurs tour à tour, pour dégager brièvement ensuite un certain nombre de remarques générales. Première partie, l'État hegélien au miroir de l'Antiquité. Hegel a abondamment écrit sur la politique et la pensée des anciens. Nous insisterons sur quelques points majeurs qui éclairent sa conception de l'État moderne et aident à contraster sa réflexion sur la démocratie avec celle de Tocqueville. Une première distinction s'impose entre sa compréhension de la cité grecque à son apogée et sa lecture du monde romain qui lui paraît ouvrir, surtout avec la période impériale, une nouvelle ère de la politique et du monde. Concentrons-nous d'abord sur trois aspects centraux de son appréhension de la cité grecque. Le premier consiste à y voir l'exemple achevé du civisme et du patriotisme, et donc d'une vie éthique informée de part en part par le lien substantiel qui unit chaque citoyen à la cité comme totalité vivante. Hegel reviendra toujours à l'idée de la belle totalité grecque pour illustrer la disposition éthique qui lie l'individu à l'organicité d'un tout politique. À côté du patriotisme ancien, le patriotisme moderne lui paraît atténué ou du moins contrebalancé par l'importance de la liberté et de l'intérêt individuel dans les sociétés européennes.
Hegel reconduit ainsi une partie de l'idéalisation romantique de la Grèce, contribuant à son tour à faire de la cité grecque le modèle d'une communauté au sens fort, distinguée de la société propre aux modernes. Mais le thème de la belle totalité n'est qu'un des aspects de l'analyse hegélienne, qui donne aussi une grande importance au surgissement de tensions qui auraient brisé l'unité initiale de la cité grecque. Au moins trois grandes divisions peuvent être distinguées. La plus visible se situe entre les groupes sociaux, tout particulièrement entre l'élite et les classes populaires. C'est le cœur de la politique, mais aussi de la pensée politique grecque, qui insistait tant sur les distinctions de régime définies selon l'extension plus ou moins grande du cercle de leurs dirigeants et de leurs citoyens actifs. On estimait généralement que chaque régime favorisait une conception de la justice et des intérêts particuliers contre les idées et les intérêts des groupes combattus ou exclus. Aristote avait déjà parfaitement vu que l'alternance récurrente entre la démocratie et l'oligarchie relevait d'une forme d'accaparement de la puissance publique par un groupe contre un autre. Pour éviter cette source d'instabilité et d'injustice, il prônait une forme de gouvernement constitutionnel où chaque partie de la cité se verrait reconnaître un rôle dans l'ensemble et verrait sa conception du juste intégrée dans un équilibre plus large. L'idée sera projetée plus tard sur la constitution romaine. Il est remarquable de noter, par exemple, le mépris qu'avait Polybe pour l'alternance athénienne entre des pouvoirs intéressés et arbitraires. Hegel restera très romain sur ce point. Pour lui, comme pour Polybe ou Cicéron, il manquait à la cité grecque la médiation stabilisatrice d'un État ayant assuré sa réalité propre en détachant son principe, sinon toujours son action, de l'immédiateté des intérêts et des vues de telle ou telle partie de la cité. C'est la base de sa compréhension de la démocratie athénienne, doublement renvoyée aux particuliers. Si la démocratie demeure l'expression d'une particularité, c'est d'abord parce que le pouvoir y est identifié à une partie de la cité, et ensuite parce que la partie de la cité qui s'arroge le plus grand pouvoir, le peuple, serait la fraction du tout la moins détachée de l'emprise immédiate de l'opinion et des passions. En d'autres termes, Hegel retient la thèse, si fortement exprimée par Platon, voulant que le démos soit la partie la moins rationnelle de la cité, ce qui expliquerait l'instabilité intrinsèque des démocraties. Considérons maintenant une deuxième division, celle qui distingue la logique de l'État de la substance de la tradition et de la religion telle qu'elle se déploie et se vit dans les mœurs, au sens le plus large. Sans doute est-ce par l'analyse de la tragédie, et tout particulièrement d'Antigone, que Hegel met le mieux en lumière cette coupure. On sait qu'il relisait régulièrement la tragédie la plus emblématique de Sophocle, qui met en scène le conflit entre l'autorité du tyran et le respect filial d'Antigone pour la dépouille de son frère, et donc le conflit entre une forme originaire de raison d'État et la conscience morale appuyée sur l'amour et la piété. La grandeur de la pièce, à ses yeux, vient du fait que Créon et Antigone ont tous les deux raison. À travers leur conflit se montre le déchirement de la cité, où la réalité spécifique de l'État semble faire irruption de manière violente et arbitraire en opposition à la moralité substantielle. La longue histoire qui va de la cité à l'État moderne en passant par le modèle romain et les États chrétiens consistera à surmonter peu à peu cette division tragique, notamment par l'incorporation dans l'État de l'idée de la valeur infinie des personnes. Pour Hegel, ce serait par conséquent sous la figure de la tyrannie que l'État séparé de la société serait initialement apparu, élément important dans le jugement qu'il porte sur la démocratie. À ces deux premières divisions, que n'a pas pu ou n'a pas su surmonter la forme politique de la cité grecque, entre les classes et entre l'État et l'esprit de la communauté, s'est ajoutée peu à peu la division, ouverte par les sophistes mais surtout par la philosophie, entre la tradition et la visée d'un savoir autonome. La pensée a conquis sa liberté par une lutte contre l'emprise du tout compact et organique de l'opinion, lui-même lié à la vitalité civique et fortement imprégné de religiosité. Un nom résume cette troisième division, celui de Socrate, dont le procès et la mise à mort ont révélé et dramatisé la tension entre la particularité vivante de l'opinion et la visée de l'universel qui prenait forme dans la philosophie. L'expérience de Socrate a ensuite pris tout son sens dans la transposition philosophique qu'en fit Platon, notamment dans la République. Hegel voit certes dans la République l'expression grandiose de l'idéal grec d'une totalité hiérarchique harmonieuse, mais Platon reformule l'idéal en posant frontalement l'enjeu du rôle des philosophes et de la pensée.
La quête du vrai doit amener le philosophe à sortir de la caverne pour se hausser vers la lumière, loin des illusions sensibles. Sans doute doit-il ensuite revenir dans la cité pour diriger les affaires humaines, mais le récit platonicien précise que le philosophe sera reçu par des moqueries et des menaces pour finalement être mis à mort. Si l'universalité de la pensée a trouvé dans la cité une partie de ses conditions d'émergence, peut conclure Hegel, il n'y a eu qu'une présence menacée, camouflée ou marginale. L'idéalité dans sa plus haute forme et dans sa puissance y demeurait encore à distance de la politique. Ces trois types de division de la cité en viendront à la détruire ou à la marginaliser. Les analyses et les jugements de Hegel à cet égard informent directement le sens étroit et limité qu'il donne à l'expérience démocratique grecque. La démocratie fut l'une des expressions du caractère arbitraire et jamais fixé du conflit entre les classes. Sa nature instable et passionnelle a conduit à l'alternance avec la tyrannie, et elle est entrée en conflit direct avec l'idéal rationnel tel qu'il se manifestait dans la philosophie. À cette lumière, la démocratie apparaît donc à tous égards comme du particulier non médiatisé. Nous avons considéré jusqu'ici les deux premières dimensions de l'analyse hegélienne de la cité, l'idée de la belle totalité et la prise en compte des divisions qui détruiront l'unité première. Il nous reste à signaler un dernier aspect tout aussi important. Le progrès de l'esprit, pour Hegel, est d'abord le progrès de la conscience de la liberté. Les Grecs, précise-t-il, savaient que certains hommes étaient libres, mais ne savaient pas que l'homme en soi est libre. Platon et Aristote eux-mêmes ne le savaient pas. L'esclavage leur paraissait aller de soi. Or, le propre de l'homme est sa capacité à être libre et à devenir conscient de sa liberté. On pourrait penser que ce savoir était en germe dans le fait démocratique, qui suppose à tout le moins l'affirmation de l'égale liberté des citoyens. Hegel associe plutôt la substance de la politique grecque, y compris de la démocratie, au fait majeur de la distinction entre maîtres et esclaves. La vérité de la démocratie, telle qu'elle s'est manifestée par exemple à Athènes, fut de permettre à tous les citoyens, mais à eux seuls, de gouverner directement. La vérité de la démocratie n'est pas l'idée de droits similaires pour tous les êtres humains, mais plutôt le pouvoir immédiat des êtres libres, et tout particulièrement des êtres libres les moins éclairés. L'universel ne s'objectivera et ne prendra sa force, selon Hegel, que dans le cadre impérial romain et au sein de l'institution religieuse chrétienne. Pour compléter l'analyse de la compréhension hegélienne de la politique antique, il faut donc ajouter quelques remarques sur l'expérience romaine. L'intérêt de Rome pour Hegel est à comprendre à la lumière de son analyse des divisions qui ont miné la cité grecque. Le régime mixte romain a permis en quelque sorte de domestiquer les divisions de classe au profit de la dynamique et de la puissance de l'État. Sur ce plan, Hegel reste très proche des analyses de Polybe. Dès l'époque républicaine, l'État romain aurait possédé une universalité mieux assurée que les cités grecques, par l'intégration plus efficace des divers groupes sociaux. Mais son régime mixte allait au-delà du jeu des diverses classes telles que l'avait déjà pensé Aristote. Il n'intégrait pas seulement, en effet, des dimensions démocratiques et oligarchiques liées à la différence de classe, mais aussi une dimension monarchique où s'exprimait l'unité substantielle de l'État. On pourrait dire en un sens que l'État incarnait une forme d'universalité horizontale par l'intégration des groupes sociaux au pouvoir et une forme d'universalité verticale par la manifestation sensible de l'unité à travers le principe monarchique préservé dans le consulat. L'État romain avait par ailleurs une autonomie mieux assurée face à la société, notamment par le développement progressif d'un droit dont l'existence objective se dégageait de l'opinion. L'Empire accentuera ses traits, tout particulièrement l'idée de l'unité, de la permanence et de la majesté de l'État face à un monde social et culturel très divers. S'y développera aussi une pensée cosmopolitique où s'exprimera déjà, notamment dans le stoïcisme, l'idée d'une identité essentielle de tous les êtres humains. En un sens, l'État romain en vient presque à représenter une sorte d'inversion de la cité grecque telle que l'avait pensé Hegel. Ce qui n'en fait pas encore, toutefois, l'équivalent antique de l'État moderne. De façon plus précise, on pourrait dire que ces limites intrinsèques tenaient à la fois aux limites de toute la politique antique, en lien par exemple avec l'institution de l'esclavage, et aux défauts contraires à ceux des petites communautés citoyennes, dans la mesure où l'État a fini par s'abstraire de la société au risque d'y perdre sa vitalité et son dynamisme. Visant les dérives et la fragilité de l'Empire, colosse au pied d'argile, Hegel parle ainsi, je cite, « d'un déchirement infini de la vie éthique avec les extrêmes
avec les extrêmes de la conscience de soi privée personnelle et de l'universalité abstraite, extrêmes qui au final ne tiendront plus ensemble que par un arbitraire abstrait poussé jusqu'au monstrueux. La réflexion sur le passage de la cité grecque à l'État impérial romain, aussi bien que le contraste de leurs défauts respectifs, restera néanmoins une des sources de la théorie hegélienne de l'État moderne. Tournons-nous donc maintenant vers l'analyse de la politique moderne en restant attentifs à l'arrière-plan antique. Nous considérerons d'abord quelques paragraphes clés des principes de la philosophie du droit, où Hegel définit l'universalité de l'État moderne par un contraste historique et critique explicite avec la cité et la démocratie grecque. Trois longs développements détaillent la critique hegélienne de la démocratie. Les paragraphes 272 et 273 fournissent déjà les arguments essentiels. L'enjeu y consiste d'abord à préciser le statut de la division des pouvoirs au sein de l'État. Hegel s'en prend à l'interprétation qualifiée d'abstraite et d'ergoteuse, un terme qu'il affectionne tout particulièrement, qui donne à cette division un sens fort en oubliant que chaque pouvoir de l'État n'est qu'un moment de son unité fondamentale. Les composantes distinctes de l'État moderne sont en réalité, pour Hegel, la manifestation pleinement différenciée des diverses exigences de la souveraineté. Le contraste avec les régimes simples et spécifiques des cités antiques fait pleinement voir pourquoi ceux-ci sont désormais dépassés. Je cite, « La vieille division des constitutions en monarchie, aristocratie, démocratie a pour assise l'unité substantielle encore inséparée, qui n'est pas parvenue à sa différenciation interne, à une organisation développée au-dedans de soi, et en cela à la profondeur et à la rationalité concrète. » Hegel précise plus loin que la question du meilleur régime tel que l'entendaient les Grecs n'a plus dès lors qu'un intérêt historiographique. Centré sur l'enjeu de la personnification de la souveraineté, le paragraphe 279 ajoute une critique décisive de l'idée de souveraineté du peuple. La souveraineté, pour Hegel, ne saurait être entièrement rapporté au peuple, pris comme addition d'individus, comme une partie du tout social ou même comme l'ensemble de la société distinguée du souverain. C'est l'idée qui est souveraine et donc l'ensemble de ces différenciations organiquement liées dans l'État. Parmi ces différenciations, il y a certes les groupes, passions et intérêts de la société civile qui doivent être politiquement représentés. Mais c'est une erreur propre à l'esprit peu éduqué de la populace, c'est les termes de Hegel, précise Hegel, de croire que le peuple en tant que tel aurait une meilleure compréhension de l'intérêt général, une volonté plus droite dans sa recherche du bien commun. Le mot « peuple », précise-t-il, je cite, « dans la mesure où on désigne par là une partie particulière des membres d'un État, exprime la partie qui ne sait pas ce qu'elle veut. » Le peuple doit donc être entendu, mais le gouvernement et l'administration publique ont en réalité une conception plus rationnelle des finalités de l'État. Dans un État où chaque dimension de l'idée se manifeste dans sa différence, la démocratie n'est donc, au mieux, qu'un moment de l'État. Cette façon de parler demeure toutefois approximative. Une fois intégrée dans une monarchie constitutionnelle moderne, les éléments démocratiques ou aristocratiques, précise Hegel, je cite, « ne sont plus quelque chose de démocratique ou d'aristocratique. Que l'État moderne intègre une dimension populaire n'en fait donc pas une démocratie au sens plein du terme. » Hegel reprend et transforme ici la théorie du régime mixte en y ajoutant l'idée du rôle central de l'administration comme vecteur de la finalité rationnelle de l'État. Encore une fois. Soulignons le double caractère descriptif et normatif de l'analyse hegélienne. Son objet immédiat est la monarchie constitutionnelle prussienne, vue comme la forme pleinement déployée de l'État moderne. Hegel voulait probablement présenter le régime d'une manière qui contribuerait à en consolider la dimension constitutionnelle et représentative. Plusieurs commentateurs insistent sur cet aspect pour nuancer l'idée que les principes de la philosophie du droit soient l'expression la plus conservatrice de sa pensée politique. Quoi qu'il en soit, le double caractère de son analyse de l'État moderne reste néanmoins travaillé par une tension. Hegel ne cesse en effet de critiquer les erreurs qui lui paraissent communément répandues dans la pensée contemporaine. L'une des plus fréquentes serait précisément d'attribuer la souveraineté au peuple et de se méfier de l'institution étatique au point de vouloir lui opposer une série d'obstacles par lesquels la société civile se protégerait de son action. Erreur où Hegel voit l'expression de la conscience non éclairée du peuple ou encore l'ergotage stérile d'une pensée d'entendement, incapable de s'élever jusqu'à l'idée de l'unité différenciée et substantielle de l'État. La virulence de ces attaques atteste pourtant de la difficulté d'éradiquer ces représentations erronées. La tentation propre à la société moderne ne serait-elle pas précisément que la partie se prenne pour le tout,
que le peuple s'estime souverain et qu'il perde de vue la double universalité de l'État, synthèse concrète ou subjective l'absolue, au profit de la mise de l'avant de sa propre volonté immédiate. Si telle est la pente de l'esprit moderne, la philosophie peut-elle suffire pour le retenir dans une compréhension plus rationnelle de l'État? On pourrait relire Hegel à la lumière de cette tension entre la majesté de l'État et ce qui pousse l'esprit moderne vers une conception renouvelée et universaliste de la démocratie. N'est-ce pas d'ailleurs ce qu'a tendu à faire une partie de l'hegelianisme de gauche, ou même, plus récemment, certains penseurs de la démocratie radicale? L'idée de démocratie contre l'État, chez Miguel Abinsourd, par exemple, ou même le conflit entre la démocratie et la police, chez Jacques Rancière, seraient en quelque sorte de nouveaux avatars de la tentation de ramener la distinction complexe entre la société civile et l'État, chez Hegel, à un conflit ouvert entre la démocratie et les formes objectivées de la souveraineté. Mais Hegel jugerait sans doute que ces polarisations polémiques résultent d'un appauvrissement à la fois de sa conception de la société civile et de sa conception de l'État. Sa réflexion sur la société civile hérite peut-être en partie de la tradition républicaine, de Machiavel et de l'idée antique du corps des citoyens, mais elle hérite aussi de l'ensemble de la pensée moderne, y compris de la théorie économique fondée sur l'idée de sujet égoïste, y compris la conception moderne de la liberté infinie de la conscience, et y compris la conception romantique et substantielle de la nation. Parce que la société est aussi faite d'individus intéressés, de consciences libres et de membres de nations, on ne saurait la ramener à n'être qu'un démos opposé à l'État souverain. Et l'État lui-même est le représentant et protecteur de l'individu égoïste, le garant de la liberté des consciences, y compris face à la religion, et l'expression de l'esprit d'une nation. Double complexité, celle de la société civile et celle de l'État, que négligent les théoriciens contemporains de la démocratie radicale, qui semblent ainsi illustrer, sans le vouloir, la critique de Hegel à l'égard du concept de démocratie, insuffisant à ses yeux pour englober et exprimer à lui seul la substance complexe de la politique moderne. Je passe à la deuxième partie sur Tocqueville. Tocqueville, les anciens et nous. Tocqueville termine l'introduction de la démocratie en Amérique en affirmant le besoin d'une science politique nouvelle pour un monde nouveau. La formule sous-tend la critique de tous ceux qui, depuis la Révolution française ou même avant, avait cru pouvoir revenir au civisme ancien. Bien sûr, Tocqueville, comme Hegel d'ailleurs, mais plus encore que Hegel, et beaucoup plus que Constant, est un défenseur de la participation active et généralisée à la vie publique. Mais le civisme moderne doit opérer dans des sociétés très différentes des cités antiques. Tocqueville insiste notamment sur l'influence du christianisme dans la formation de la conscience et des mœurs européennes. La principale différence vient toutefois du fait que la démocratie soit devenue l'élément central de la société moderne. L'idée nous semble aujourd'hui banale, mais Tocqueville prenait ainsi le contre-pied non seulement de Hegel, mais de la plupart des penseurs qu'il précède. C'est ce déplacement du centre de gravité de l'analyse de la modernité et le rôle qu'a pu y jouer la référence aux anciens qu'il faut maintenant chercher à éclairer. Tocqueville définit d'abord la démocratie comme un état social informé et transformé par l'idée et la passion d'égalité, en contraste avec les formes sociales hiérarchiques qu'il nomme aristocratiques. Ce qui l'intéresse, c'est de comprendre l'influence politique du fait égalitaire, mais aussi son influence sociale, intellectuelle et morale, au sens le plus large. On semble donc très loin ici d'une science de l'État comme objectivation de l'esprit. En termes hegeliens, on pourrait dire qu'il tourne plutôt son attention vers la société civile, la disposition politique subjective, l'opinion et l'esprit particulier d'un régime. N'y a-t-il pas là une limitation de l'ambition théorique ? Qui renonce ainsi à ressaisir la totalité concrète dans toutes ses composantes et en lien avec le travail de la raison qui y opère, souvent indépendamment de la conscience des acteurs. Au début du deuxième tome de La démocratie en Amérique, Tocqueville spécifie lui-même qu'il n'a pas l'intention de parler de tous les aspects de la société moderne, mais bien de concentrer son regard sur sa dimension démocratique. Le chapitre sur la source principale des croyances chez les peuples démocratiques précise d'ailleurs que même les plus grands génies ne peuvent pas penser la totalité dans sa complexité et qu'il vaut mieux circonscrire un objet partiel pour mieux le traiter dans sa profondeur et dans ses divers aspects. Idée qui pointe de nouveau sur cette différence essentielle avec Hegel, Tocqueville se méfie de toutes les formes de totalisation, qu'elles soient associées à l'État ou à la raison. Sa méfiance à l'égard de l'État centralisé moderne a de profondes racines dans le libéralisme aristocratique déjà illustré par Montesquieu,
Elle s'exprime par ailleurs par une critique récurrente des tentations du rationalisme politique et du despotisme éclairé. Pour Tocqueville, toute forme politique et sociale, y compris la démocratie, a un caractère indépassablement particulier. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il écarte de son analyse des thèmes aussi importants que l'État ou le rôle historique de la raison. Mais c'est par le biais de leurs liens complexes avec la démocratie qu'il les considère. La confrontation de Tocqueville avec la politique et la pensée des anciens permet sur ce plan de faire ressortir l'essentiel. Rappelons d'emblée qu'il a beaucoup moins écrit que Hegel sur l'Antiquité. La démocratie en Amérique, pour s'en tenir à son œuvre principale, contient néanmoins une cinquantaine de références et de développements souvent décisifs sur les Grecs et les Romains. Leur principal intérêt nous semble de faire ressortir très clairement l'évolution de la pensée de Tocqueville, du premier tome au deuxième tome de la démocratie en Amérique, sur la nature et les effets possibles de la démocratie moderne. Nous considérons donc tour à tour son rapport aux anciens dans chacun des deux ouvrages. C'est une des idées que je reprends constamment dans mes textes sur Tocqueville, la différence majeure entre la démocratie en Amérique, le tome de 1835, et le deuxième tome de 1840. Quand Tocqueville publie le premier tome de la démocratie en Amérique en 1835, sa connaissance du monde ancien demeure à peu près celle d'un homme de son temps ayant reçu une éducation classique. Il n'a pas encore étudié de près plusieurs penseurs de l'Antiquité comme il le fera plus tard. L'œuvre comporte malgré cela 25 références directes aux anciens. Les thèmes du civisme et du despotisme amènent Tocqueville à établir certaines similitudes entre la dynamique de la démocratie moderne et celle des républiques antiques. Mais l'enjeu décisif demeure la portée et la nature de la différence que révèle la confrontation avec l'Antiquité. Ce contraste fait d'abord ressortir le caractère plus égalitaire du monde moderne, comparé à des sociétés dont Tocqueville souligne qu'elles avaient l'esclavage pour fait massif et central. La comparaison mettrait par ailleurs en lumière le caractère plus civilisé des sociétés modernes. C'est à travers le concept de civilisation que Tocqueville prend en compte ce que Hegel aurait appelé le progrès de la raison dans l'histoire. Des différences essentielles distinguent toutefois son analyse à cet égard. D'une part, ce n'est pas la civilisation en soi qui l'intéresse, mais plutôt ses effets psychologiques et moraux, comme c'était déjà le cas pour Rousseau, bien que l'analyse de Tocqueville soit plus nuancée à cet égard. D'autre part, la société américaine lui paraît véritablement démocratique, au sens où le rôle, les intérêts, les goûts et les passions du peuple y constituent la donnée essentielle du monde politique. Ce que la comparaison avec les anciens souligne tout particulièrement, dès lors, c'est la généralisation des effets psychologiques et moraux de la civilisation au peuple tout entier, phénomène inédit qui transforme radicalement, sans l'abolir, la donnée millénaire du partage de la cité en groupes politiquement et moralement distincts. Essayons de cerner d'un peu plus près la spécificité de la science politique nouvelle que Tocqueville appelle de ses voeux. À première vue, on pourrait penser que son analyse des institutions et des pratiques politiques américaines, dans la première démocratie en Amérique, ne fait qu'adapter à un monde neuf la science politique d'Aristote, ou même de Platon. Pour stabiliser la cité en lui donnant une fondation plus juste, Aristote insistait sur la valeur des régimes qui réussissent à intégrer adéquatement l'élite et le peuple dans la gestion des affaires communes. Il soulignait par ailleurs l'avantage des cités dotées de larges classes moyennes, élément stabilisateur qui réduit le risque d'une lutte entre factions opposées. Tocqueville observe aux États-Unis une démocratie où les différences persistantes entre les classes sont atténuées par une forte extension de la classe moyenne. Il admire par ailleurs l'art politique avec lequel l'élite, et notamment les pères fondateurs de la Constitution, a su marquer de son empreinte l'architecture et l'esprit des institutions. Mais il n'en affirme pas moins que l'idée classique du régime mixte lui semble une chimère. Sur ce plan-là, il se distingue d'Aristote. Si on entend par là la possibilité d'équilibrer durablement des forces et des principes au sein d'un même État, il estime plutôt qu'un principe finira toujours par s'imposer et que ce principe, dans la société moderne, sera l'égalité démocratique. La nouvelle science politique consistera dès lors à proposer un nouvel art de la synthèse, qui reprend des aspects essentiels de la science politique classique, mais en les adaptant au contexte d'une très large nation où l'empreinte morale et psychologique de la civilisation s'est étendue à la plus large partie du peuple. Une première adaptation s'observe dans la réflexion de Tocqueville sur le partage social des rôles politiques. Il continue de voir le peuple comme la partie la moins éduquée du corps social et pour cette raison la moins détachée des idées communes et la plus spontanée dans ses goûts et ses passions.
L'élite aurait une vue plus large et élevée de la politique, bien qu'elle puisse aussi être plus égoïste et intéressée. L'art de la synthèse politique consiste donc, sur le plan social, non seulement à lier des intérêts, mais aussi à associer différents rapports au monde. Mais cette composition de traits différents doit désormais se faire dans l'horizon des principes démocratiques dominants. Trois facteurs peuvent faciliter la synthèse de principes contraires dans ce contexte nouveau. Premièrement, le rôle de l'élite, qui peut être très utile, comme l'illustrerait la naissance des États-Unis et l'élaboration de la Constitution américaine, doit rester limité. Deuxièmement, il lui faut se présenter comme directement utile au peuple, qui doit lui-même le percevoir comme tel. Tocqueville donne notamment l'exemple de l'action des légistes, où il voit une forme d'aristocratie qui a su se rendre nécessaire au bon fonctionnement de la vie politique, de la vie démocratique américaine. Troisièmement, et c'est sans doute l'aspect le plus intéressant de son analyse, le rôle de l'élite pourra d'autant mieux entrer dans l'équilibre d'une civilisation démocratique s'il est imperceptible et caché. L'influence des pères de la Constitution américaine, pour revenir à cet exemple, semble désormais complètement intégrée aux mœurs politiques américaines, bien que son orientation initiale constitue à plusieurs égards un contrepoids au penchant égalitaire de la démocratie. Idée semblable pour la langue juridique, dont l'influence envelopperait, nous dit Tocqueville, toute la culture politique américaine, sans même que les Américains eux-mêmes en soient toujours conscients. On pourrait même ajouter ici l'influence des idées religieuses, que la démocratie américaine paraît s'être entièrement appropriée, mais qui n'en viennent pas moins encadrer et limiter, à partir d'une source théologique et donc non démocratique, l'horizon de ce qui est possible ou non sur le plan politique. Ce dernier exemple nous rapproche de la deuxième forme d'adaptation de la science politique classique qu'opère Tocqueville dans le premier tome de La démocratie en Amérique. La première était sur le plan social, réussir à équilibrer les groupes distincts. La deuxième, elle touche cette fois à ce qu'on peut appeler la psychologie politique. Tocqueville s'inspire directement sur ce plan de thèmes venus de Rousseau ou même de Pascal. D'une manière plus large, son analyse de la psychologie démocratique continue de se rattacher à l'analyse de l'âme démocratique telle que l'a présentée Platon au livre 8 de la République. Nous l'avons brièvement évoqué plus haut, le peuple serait la partie passionnelle et la moins réfléchie de la cité. Tocqueville transforme toutefois cet héritage classique par l'idée du peuple civilisé, qui suppose une forme de synthèse établie non plus dans le macrocosme social, mais dans le microcosme de l'âme. La généralisation de la civilisation étendrait notamment la tendance à la distance réflexive. Un développement sur la nature du civisme moderne illustre très bien la thèse de Tocqueville à cet égard. Très impressionné par la vitalité de la vie communale aux États-Unis, il compare d'abord le goût des Américains pour la vie civique avec les mœurs de la République romaine, où la participation à la chose publique était souvent le cœur de l'existence. Il précise pourtant que ce n'est pas nécessairement la vertu au sens ancien qui amène les Américains à participer à la vie communale, mais plutôt ce qu'il appelle l'intérêt bien entendu. La civilisation a rendu moins spontané, moins immédiat le patriotisme et le civisme. Chacun désormais y cherche son intérêt particulier. Dans la mesure pourtant où sont bien compris les liens qui unissent la vie collective aux intérêts de chacun, les résultats des civismes anciens ou modernes seront en partie les mêmes. Le premier tome de la démocratie en Amérique repose donc tout entier sur une double analyse. Les États-Unis ont réussi à organiser institutionnellement un nouvel équilibre entre l'élite et le peuple, et on y observe dans l'âme même du peuple un nouvel assemblage des traits psychologiques et moraux traditionnellement associés aux différentes classes de la société. C'est sur cette base que Tocqueville essaie de faire ressortir aux yeux de ses lecteurs européens les forces de la société politique américaine et tout particulièrement l'assemblage rendu possible par le fédéralisme entre un civisme local très vivant où le peuple apprend à gérer ses propres affaires et une gestion nationale des grands enjeux qui demeure le terrain privilégié de l'élite sociale. Mais ces nouvelles synthèses comportent également des risques. L'intégration politique et sociale américaine est telle qu'elle semble avoir absorbé en son cercle ou rendu inaudible toute extériorité politique et intellectuelle. C'est le thème fameux de la possible tyrannie de la majorité, qui se double d'une crainte de voir l'esprit humain se contenter d'un juste milieu médiocre. Nous retrouverons ces craintes dans les analyses parfois très différentes du deuxième tome de La démocratie. Ici s'arrête le texte rédigé. Pour la suite, je vais y aller
plus librement. Donc, je passais à l'analyse du deuxième tome. Je signalais tout à l'heure qu'il était très différent dans son esprit du premier. Je vais identifier quelques différences pour ceux qui connaissent moins bien ou pas la démocratie en Amérique. Dans le premier tome, Tocqueville est encore proche d'une perspective républicaine au sens de Machiavel dans son analyse de la démocratie. Ce qui l'intéresse, c'est la participation politique et c'est notamment la participation du peuple dans les instances locales, etc., comme je viens de le signaler. Donc l'acteur principal de la démocratie dans le premier tome, c'est le peuple, analyse traditionnelle. Dans le deuxième tome, le peuple ne disparaît pas entièrement, mais ce qui passe à l'avant-plan, c'est l'individu. L'acteur principal, le fait principal de la démocratie moderne n'est plus le peuple comme un collectif, c'est l'individu. Et secondairement, c'est la masse. Mais la masse, c'est quelque chose de différent de l'individu, du peuple, pardon. La masse, c'est la juxtaposition de l'individu, des individus qui finit par faire une opinion commune qui va peser sur l'esprit de chaque individu. Donc, première différence fondamentale, c'est que désormais, l'analyse de Tocqueville associe à la démocratie non plus le peuple, mais une collection d'individus. Et ça change complètement son analyse des risques de la démocratie. Les risques, dans le premier tome, c'est les risques que la masse populaire, le peuple, exerce une forme de tyrannie populaire. Les risques, dans le deuxième, c'est les risques associés à l'individualisme. Chacun se détache de la participation politique, se referme sur son petit monde et subit, curieusement, une nouvelle forme de tyrannie de la majorité. Non plus la majorité comme peuple, comme classe populaire, mais la majorité abstraite, la majorité de l'opinion, la majorité qui se constitue comme somme des individus. Ce qui est très intéressant pour le rapport avec les anciens, c'est que entre la rédaction du premier tome et du deuxième tome, Tocqueville a beaucoup lu. C'est un étudiant tardif. Il a lu Platon, il a lu Plutarque, il s'est lancé dans la lecture des anciens. Je recommande à Jean-Marc sa lecture ces quelques notes sur les lois de Platon. Il est extrêmement sévère, ça va beaucoup te plaire. Et à la fin... Je m'en réjouis déjà. Mais à la fin, il dit quelle grandeur dans ce Platon quand même, dans son désir de vérité et tout. Bon, il a quand même quelques nuances. Peut-être que tu pourras sauter la fin. Donc, il lit Platon, Plutarque. Et ce qui est intéressant, c'est que sa lecture des anciens informe son analyse de l'individualisme contemporain. Et son analyse du risque de médiocrité de cet individualisme. Surtout Plutarque. C'est amusant parce qu'il dit Plutarque, je ne l'avais jamais lu parce que Rousseau en fait trop de cas, puis il nous énerve un peu avec son héroïsme, puis son goût des purs républicains, etc. Et comme il n'aime pas trop Rousseau sur certains aspects, je pense que ça avait joué un rôle. Et il dit, bon, je me suis mis dans Plutarque et j'ai beaucoup aimé ça. Et quand même, ces Grecs, ils étaient grands par leur participation à la chose publique, et nous, nous sommes petits sur ce plan-là. Et son élaboration de son concept d'individualisme démocratique moderne, il est quand même en partie pensé en contraste avec le civisme ancien. Et c'est intéressant de voir cette transformation. Ça va jouer un rôle aussi dans son analyse du possible despotisme démocratique. Dans le premier tome, je le rappelais tout à l'heure, ça prend la figure d'une pression des classes populaires. Ça peut nous paraître moins sympathique aujourd'hui de penser que Tocqueville jugeait que le despotisme démocratique, c'était les classes populaires qui pouvaient avoir trop de pouvoir et l'exercer d'une manière irrationnelle. Mais les exemples qu'il donne, qui l'ont le plus frappé, sont l'exemple du racisme américain, où dans les États du Nord, les Blancs affirment aux Noirs « vous avez le droit de vote », et quand les Noirs se présentent au bureau de vote, ils les tabassent et ils les empêchent de voter. La tyrannie de la majorité, c'est aussi les Blancs qui tabassent les Noirs devant les bureaux de vote. Et la majorité, quand elle est raciste, c'est quand même un problème. Dans le deuxième tome, son portrait du despotisme, le point sur lequel j'ai sauté, qui est peut-être le plus central, c'est que dans le deuxième tome, il dit « la démocratie favorise le développement d'idées générales ». Et ce qui devient le risque de despotisme est associé à toutes les figures du général et de l'universel, l'État, l'opinion, ces abstractions générales que favoriserait la démocratie. Premier tome, la démocratie est du côté du particulier, c'est les passions populaires. Deuxième tome, la démocratie est du côté du général, ce sont des abstractions.
on risque d'être victime d'abstractions que favorise la démocratie. Pourquoi? Parce que la démocratie abolit ou relativise toutes les distinctions entre les êtres humains. Elle fait de tous les êtres humains des semblables. Elle relativise les différences au profit de l'affirmation du caractère semblable de tous les êtres humains. Ce qui va la mener à vouloir, dans les chapitres sur une sorte de sociologie de la pensée dans les sociétés démocratiques, Tocqueville insiste sur le rôle des idées générales qui vont devenir, à cause du fond même de la démocratie, une tentation pour les penseurs démocratiques et une tentation dans la vie démocratique elle-même. Je vois l'heure passer, donc j'ai disons, brièvement esquissé cette différence entre les deux tomes. J'en viens à quelques remarques de conclusion et donc à une comparaison plus directe entre Hegel et Tocqueville. Trois ou quatre ensembles de remarques. Donc, je rappelle, il y a quand même pas mal de similitudes, des choses qui se ressemblent entre Hegel et Tocqueville. Il y a chez les deux l'idée d'un art de la synthèse. Tocqueville refuse le terme de régime mixte parce que pour lui, régime mixte, ça voudrait dire que des principes sont égaux. Il dit, il y a toujours un principe qui va dominer, c'est jamais mixte. Mixte, ça serait ça, mais il dit, c'est toujours comme ça. Il faut associer des principes différents, mais d'une façon minoritaire, si j'ose dire, dans un contexte démocratique. Donc, chez les deux auteurs, il y a cette idée quand même d'un art de la synthèse. Peut-être, j'ai pas eu le temps, puis ça serait à creuser, il y a un rapprochement aussi entre les critiques que Tocqueville fait de la tendance démocratique à favoriser des généralités avec les critiques que Hegel fait à l'égard de ce qu'il appelle la pensée d'entendement. Des sortes d'abstraction, d'universalisme abstrait. Il y aurait des liens à faire entre les deux. J'en viens aux différences, et là, elles sont sans doute plus nombreuses. La différence majeure, c'est que, comme tant d'autres, Hegel associe démocratie aux anciens pour mieux se débarrasser de la démocratie. La démocratie est une chose dépassée qui demandait des petites sociétés fermées, et non pas des sociétés ouvertes, et pour marcher, et donc le monde moderne n'est pas démocratique. Il y a une dimension de la voix des classes populaires ou de la représentation de la société civile, mais l'État, ce qui est souverain, c'est l'idée, et l'idée se déploie dans sa différenciation dans toutes les composantes de l'État, et c'est ça qui est souverain, et pas la démocratie comme telle. Tandis que Tocqueville, lui, il est sans doute l'auteur le plus connu pour dire ben, la modernité est démocratique. Elle est animée par ces idéaux d'égalité et de liberté qui sont les idéaux démocratiques. Je pense là-dessus, puis il y aurait tout un débat à avoir là-dessus, ma position, peut-être que je suis trop aristotélicien quand même, c'est une sorte de juste milieu. Je crois qu'ils ont tous les deux raison. Je crois qu'il est vrai de dire avec Hegel que nos États ne sont pas que démocratiques. La bureaucratie, la lourdeur de l'appareil d'État, tout ça est sans doute contrôlé, mais de façon assez lointaine par le peuple. Il y a des dimensions de l'État moderne qui ne sont pas proprement démocratiques. Les auteurs de la démocratie radicale, comme Castoriadis, Rancière, qui soulignent toujours le caractère oligarchique des sociétés contemporaines, en fait, ils sont d'accord avec Hegel, sauf qu'eux prennent le parti de critiquer cet État complexe et cette société moderne. Et Hegel, lui, disait, non, c'est très bien, nous ne sommes pas démocratiques, nous sommes plus complexes que la seule démocratie, et c'est très bien. Donc, Hegel, à mon sens, a en partie raison, mais il a en partie tort, et Tocqueville a en partie raison. Tocqueville est un analyste, je pense, assez incomparable de l'imaginaire démocratique moderne, et cet imaginaire, il est véritablement démocratique. Ce sont nos idéaux. Et ces idéaux ne sont pas comme je ne veux pas simplifier Marx, mais on pourrait, avec Marx, dire qu'ils sont purement formels et qu'ils n'ont pas d'efficacité réelle. Mais dans une analyse tocquevillienne, ils ont une efficacité réelle. Ils ont transformé la famille qui n'est plus du tout la vieille famille aristocratique. Ils ont transformé les rapports entre les hommes et les femmes, etc. Donc, ils ne sont pas impuissants. Nous ne sommes pas... c'est pas faux que nous sommes démocratiques. Alors, l'intérêt, je pense, de la comparaison de Tocqueville et Hegel est surtout là. Hegel nous apprend que nous ne sommes pas uniquement démocratiques. Il fantasme peut-être un peu trop sur son État absolu, puis c'est la majesté de l'État. Bon. Et Tocqueville nous apprend que nous sommes très fortement démocratiques quand même. Et je crois qu'ils ont en partie tous les deux tort et raison. Je conclurai en disant que l'angle mort chez les deux... c'est très frappant chez Tocqueville, c'est que ni un ni l'autre n'a prévu
la puissance que gagnerait une dimension de la société civile, que Hegel analyse, mais il n'a pas prévu sans doute la puissance que ça prendrait, le capitalisme ou les grandes firmes capitalistes ou les grandes firmes internationales, elles n'existent pas dans l'analyse de Hegel, elles n'existent pas dans l'analyse de Tocqueville. Tocqueville nous dit, méfiez-vous, c'est par l'économie que va se créer une nouvelle aristocratie peut-être. J'ai vu dans les critiques qui ont été faites des salaires chez Bombardier que certains disaient une nouvelle aristocratie. J'ai tout de suite pensé à Tocqueville. Je l'ai d'ailleurs dit dans mon cours sur Tocqueville que je donne à l'UQAM. Donc tous les deux, il y a sans doute... Et là, il faudrait mettre une dose de Marx pour penser justement que du sein de la société civile, que Hegel souhaitait voir contrôlée, domestiquée par l'État, que Tocqueville croyait qu'elle serait sans doute domestiquée par l'esprit démocratique, mais quand même du sein de la société civile a émergé un nouveau principe d'inégalité dont on ne sait peut-être pas encore trop comment le domestiquer. Merci. Merci Yves pour cette conférence très riche. J'avais à faire des remarques, prendre position, poser des questions, faire part de votre... J'avais une question sur le patriotisme chez Hegel et chez Tocqueville. Ça m'avait intéressé de en quoi ils se ressemblent, parce qu'ils ont... des commentaires, semble-t-il, sur le patriotisme moderne et le patriotisme antique, et juste de préciser un peu en quoi ils se ressemblent dans chacune de ces deux catégories-là et en quoi ils divergent. Je pense que leur analyse du patriotisme ancien se ressemble beaucoup. Et finalement, leur analyse du patriotisme moderne, dans tous les deux considèrent qu'il est moins plein que le patriotisme ancien, qui a autre chose désormais qui travaille les modernes, mais qu'il existe encore. Il me revient à l'esprit un passage du principe de la philosophie du droit où Hegel s'en prend à ceux qui auraient une conception trop élevée, trop exigeante, trop absolue, trop romantique. Il vise souvent les romantiques du patriotisme, comme si l'agir civique, le patriotisme, exigeait qu'on soit des héros qui mettent en jeu leur vie tout le temps. Et Hegel nous parle d'un patriotisme de tous les jours, d'un civisme de tous les jours, qui est de faire correctement la tâche que la société nous appelle à faire. Alors, il parle d'une sorte de civisme ordinaire, de participer aux institutions, bon, etc. C'est moins, parce que Hegel est un grand admirateur des Grecs aussi à sa manière, il les a même idéalisés et romanticisés, si ça se dit. Il dit le vrai patriotisme, c'est quand même celui des Grecs. Mais il dit on en a un chez les modernes et on ne doit pas le dénigrer à partir d'une perspective romantique. Il existe, et bon. Et donc chez Tocqueville aussi, le patriotisme moderne, là la distinction c'est entre... C'est son analyse des effets de la civilisation. La civilisation nous rend sceptiques. La civilisation établit une distance à l'égard de nos propres croyances, on est toujours un peu décalé, et désormais tout le peuple est civilisé, éduqué, tout le peuple est... Donc le patriotisme moderne va avoir ces traits psychologiques et moraux-là, il va être plus animé par ce qu'il appelle l'intérêt, bien entendu, que par la vertu, comme on l'attribuait, on associait le patriotisme antique à la vertu. Donc, en un sens, il y a des débats autour de l'œuvre de Tocqueville, est-ce qu'il est un ancien? Et la réponse est presque toujours, il ne défend pas le patriotisme des anciens, il l'associe à ce qu'il appelle l'intérêt bien entendu. Il dit d'ailleurs, c'est là-dessus qu'on doit compter, il faut faire comprendre à tout le monde, vous avez intérêt à participer à la vie civique, à entrer dans des associations pour vous-même. Parce que faire appel seulement à la vertu, au sacrifice de son intérêt particulier, ça ne marchera plus. Donc, faisons appel à l'intérêt individuel qui est le principe de la société moderne et on aura un civisme sur cette base. Donc, chez les deux auteurs, ils se font défenseurs d'un civisme moderne moins héroïque et glorieux peut-être que l'ancien, mais toujours... Et comment interprétez-vous le passage sur la guerre de Hegel, c'est dans la philosophie du droit, là, où il dit, bon,
de temps en temps, ça prend une guerre pour assainir, justement, rehausser les mœurs publiques. Là, ce passage-là. ce fameux petit passage. D'ailleurs, c'est intéressant parce que les chapitres sur la guerre de Tocqueville ont un peu le même esprit. La guerre est une exception dans le monde moderne. Mais c'est la thèse. Peut-être que ça, Tocqueville l'exprime plus nettement que Hegel. Mais Tocqueville aussi, c'est un aristocrate qui parle quand même, Tocqueville, demeure admiratif de l'effet moral que peut produire la guerre. L'admiration vient ici du fait qu'elle conduit les individus à sacrifier le petit cercle de leurs intérêts immédiats. Et si on prend le 20e siècle, par exemple, qui a été un siècle dont, bon, libéral et démocratique en un sens, mais aussi très guerrier. Et c'est curieux, les deux guerres mondiales sont des histoires qu'on se raconte. Moi, j'écoute par exemple chez moi, j'ouvre la télévision, TV5, tous les soirs, c'est des reportages sur la Deuxième Guerre mondiale. Comme si la dose d'héroïsme dont on ne peut pas faire le deuil, c'est les guerres quand même qui nous l'avaient encore apporté. Donc ce n'est pas une thèse seulement hegélienne et tocquevillienne. On dirait qu'elle est bien plus répandue. Regardez le cinéma hollywoodien, enlever les guerres et les conflits, puis il y en a les trois corps peut-être qui va tomber. C'est plus qu'une thèse hegélienne, c'est plus qu'une thèse tocquevillienne. Les vertus guerrières sont encore une fois ce qu'on oppose le plus facilement aux vertus du monde commercial démocratique. Ce qui n'empêche pas qu'on peut. Je trouve que Hegel, quand même, il a parfois des formules. On se demandait hier si on doit juger les auteurs responsables de leur pensée de leur postérité. Oui, merci. Mais de leur pensée, c'est parce que je lis Deleuze que j'ai ce genre d'ordre-là. De leur postérité, je crois que parfois un peu quand même. Toute cette absolutisation de l'État chez Hegel n'a pas été sans produire des effets sur la pensée allemande. C'est sûr. Et c'est pour ça que Tocqueville, face à Tocqueville. Tocqueville sur l'État, il est quand même dans la tradition de la résistance aristocratique à la centralisation monarchique. Hein? Bon. Et l'État, c'est pour ça qu'il a tellement aimé le fédéralisme américain, la décentralisation, parce que l'État, il s'en méfie, Tocqueville.